Purée, comment ça date? J'ai pas chanté de musique en intro. En même temps, avec YouTube qui te bloque dès que tu mets un petit son. J'ai mis des instrumentales carrément. 2 secondes, ils m'ont bloqué. De toute façon, j'annonce si ça continue comme ça, les gars. Je vous invite tous à aller sur Dailymotion. Moi aussi, je vais ouvrir une chaîne dessus. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. La vidéo que j'ai voulu vous tourner aujourd'hui, c'est sur le fait d'être épais. Non, parce que vous allez me regarder, vous allez dire, mais non, mais Fad, qu'est-ce qu'il raconte? Il est pas gros, il est bien. Là. Si, si, j'ai du gras, j'ai un petit bidou. J'ai de la chahma un petit peu, je vous le dis. De toute façon, vous le savez, vous avez vu ma vidéo sur la piscine et la plage. Il y a du gras. Qu'est-ce que c'est relou de perdre du poids? Non, mais franchement, parce que moi aussi, je vais perdre quelques petits kilos. Vous savez pas comment c'est relou. Ceux qui disent, ouais, j'arrive pas à grossir. Estime-toi heureux. Nous, on mange une chips, on gonfle. Avant de commencer, grosse dédicace à Louis Van Schmitt de Sargemin. Je sais même pas où c'est, mais grosse force à toi. À Céline Fernandez de Grenoble. Yardine Edwin de Genève. À Salomé Jiménez de Bayonne. Zemzmi Ismaël de Tunisie. Et pour finir, Lina Butet de Paris. Merci la mif. Quand t'es gros, tu veux faire un régime. Que c'est dur. Alors, mais vous les mecs, vous connaissez pas ça? C'est quoi ce kush? Impossible, je reste comme ça. Non, non, faut que je perde au moins 10 kilos. Wesh, y'a du gras partout. Les gens, ils disent, non, t'es pas gros, t'es juste bien. Non, je suis gros. Ils attendent que je finisse obèse pour me dire, ah ouais, là, t'as pris du poids. C'est mort. Eh, là, là, pendant une semaine, je vais me tuer, faut que je perde 10 kilos. Alors, j'ai vu sur internet, faut manger beaucoup de sous et boire que de l'eau. Potiron Kiri. Dégueulasse. Pour maigrir, faut manger de la merde. Juste le nom, ça me donnera envie de vomir. Potiron Kiri. Ouh! Qu'est-ce que ça pue? Ah, je comprends pourquoi tu maigris. Tu manges un bol, t'as plus faim pendant 10 jours. On va faire la pesée comme ça on sait à peu près combien de kilos faut que je perde. Oh, 110 kilos je pèse. Ok, waouh, faut que je perde. J'ai 10 kilos là, 20 kilos. Alors le régime, ça se passe comment? Doucement, mais pas tes mains comme ça dans ma bouche. La sauce. Bah, je suis dedans, ça se voit pas. Voilà, je bouffe que du vert, mais même le bol il est vert. Couchy vert. T'as des joues et t'as du ventre, hein. On dirait pas, t'as maigri. Ouais, ça fait on que. On dirait t'as pris 10 kilos. Ouais, ça fait que 5 jours. Je permets? Hein? Je vais me peser dans pas longtemps, tu vas voir, j'ai perdu. 5 jours, tu perds 3 kilos, normalement t'en prends pas 3. Comment tu sais j'en ai pris? T'as la balance? Il veut me larguer, allez casse-toi, dégage. Gros porc. Je suis obligé de maigrir parce que après je me fais tailler, voilà. Voilà. Après même les petits me manquent de respect. Attends, j'en veux plus. Quoi? Tu peux grossir ou tu peux maigrir? Allez, 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 allez. Attends, je suis KO. Durcis-toi. Mais toi t'es fou, tu crois allez. J'ai. Tu crois j'ai 5 ans? Allez, lève-toi. T'es pas gros, allez, maigris, maigris. J'en peux plus. Ok, là tu vas me faire 3 allers-retours en passant sur le okay. Pied. Tu bombes pas. Ok. 1, 2, 3, cours, 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 cours. Qu'est-ce que tu me regardes, vas-y. Oh là là, quelle belle lui. Grosse nasse comme ça, plus longtemps. Plus vite. Il court. Tranquille là, t'es là, tu marches. Je sais pas si tu as perdu poids en une semaine, toi, vu ta capacité. Tu te retiens pas là, tu fais du surplace. Mais tu veux que. Avance. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Je vois quoi là? Mais t'es fou, t'as pas besoin de les escaliers! J'espère que j'ai maigri! Oh non, c'est pas possible! Alors, je t'ai dit que t'allais pas faire 20 grammes! Ma petite pochette! Hein? Dégage, c'est à cause de toi que hein? Tu m'as porté l'œil. Tes hanches, on dirait une bouteille d'orangina. L'enfer, eh, c'est mon petit frère, il me respecte pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais moi, je vous dis la vérité. Dès que je prends un peu de gras, une grosse merde. Je suis mou, je suis lent, tout. Par contre, ce genre de personne, je comprends pas. Non, vraiment, je. Voilà, tout là. Super bon. Hein. Non, 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 merci, j'ai déjà mangé ce matin. Moi, je fais attention, Maline, désolé. Le matin, t'as mangé, le midi, t'as pas mangé, mange. Non, non, mais je fais attention à ma ligne, je te promets. Mais comment ça? Quelle ligne tu fais attention? Pourquoi tu parles? Quelle ligne tu parles? Il me vénère, je fais attention à ma ligne, ça honte. Fais toi si tu veux. Fais attention à ma ligne, n'importe quoi, lui. Non, je veux pas. Oh, je veux pas. C'est la deuxième assiette que je prends. Ah oh, ouais. On avait fait un programme, t'as tué ton programme. Qu'est-ce que tu fais? Du sport, ça se voit pas, non? Ah, tu fais du sport à la maison? Ah ouais. Ah ouais, depuis quand? Ouais, 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 bah depuis toujours. Pourquoi? T'as des problèmes de poids? Hein? Non, parce que je trouve que je me suis un peu laissé aller, pas comme certains. Hein. Je t'ai laissé. Pose des haltères, il me fait le sportif ici. Allez, casse-toi. Non. Pose des haltères, je vais te défoncer, je vais te la faire bouffer sinon. Si, si. Allez, dégage. Pars-toi, gros porc. Pourquoi? T'étais gros toi pour faire du sport? Pauvre con. Je fais attention à ma ligne. Qu'est-ce que tu regardes? Gardez vos abdominaux contractés. Le gym. Gardez vos abdominaux contractés. Tu veux des abdos? Ah oui. T'es pas au courant que la musculation ça laisse les gens petits? Hein? Tu veux rester petit toute ta vie? Oh oui. Change, mets des jeux. Toi t'es grand et t'es gros. Mets des jeux. Ah non, c'est mieux. Mets des jeux. C'est tu mieux. Mets pas ça. Tu mets pas des programmes sportifs. Tu veux maigrir de force, c'est ça? T'as pas besoin de maigrir. Toi, tu comprends? Nous on a besoin de maigrir. Ouais, ouais, bah oui, nous on a besoin. Toi t'as pas besoin. Allez, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Il y a des trucs pour maigrir. Mais moi je regarde pas des trucs pour maigrir. Même moi. Là, ouais, tu peux pas me refuser. Hein. Non. Regarde ce que je t'ai ramené, une belle pizza pour que tu puisses manger. C'est le plat le plus gras que j'ai jamais vu de ma vie. Fais-moi plaisir, mange. C'est mieux pour toi, mais pas pour moi en non, fait. Non, moi je fais attention. Moi, non, toi tu fais pas attention, regarde ta corpulence. Voilà, ça se mange voit. La pizza. T'as des... J'en veux pas. Tu vas la manger. J'en veux pas. Non, non. Tu vas la bouffer. Pouf, 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 pouf,
Bouffe, je vais te défoncer, je... Bouffe, j'en rêve, moi, je peux pas la manger parce que... Parce que sinon je grossis. Bouffe la pizza, bouffe. Bouffe la pizza. Viens, tu vas grossir un petit peu. Où est-ce que t'es? Ça sent le maigre ici. Qu'est-ce que tu veux maigrir? T'as des carences alimentaires, tu veux maigrir? Tu vas ressembler à quoi, frérot? Ah, tes conneries, le corps, moi si j'étais à ta place, je me tartaglobie. Alors ça, par contre, ça se fait pas du tout. Moi, personnellement, je le prends comme incitation à la haine. Hein. Provocation, gilet jaune, tout ce que tu veux. C'est qui? C'est une surprise, Adam. Surprise. Bonsoir. Bonsoir, votre pizza? Super. Quoi? Il n'y a pas de boulevard. La petite famille, j'ai ramené un pizza. Et comment? J'ai commandé un pizza pour nous. Ah. T'es mangé pas, t'es origine, la petite vachette. Oui. Mangez, mangez, bon appétit là. Belle ma pizza. Arrête de me narguer, toi, arrête de me narguer. La petite vachette, elle fait les rébellions. Arrête de m'appeler vachette, je suis pas ta vachette. C'est pas mon problème, t'es pas manger, c'est que moi et mon fils. Le régime. Vous profitez que je suis au régime pour bouffer, c'est ça, hein? Vous faites plaisir. J'ai rien à foutre, t'as qu'à pas grossir. Il bouffe. Tout son argent dans la bouffe de dehors. Après, il regrette. Bah, nous, on regrette pas. Vous profitez que je puisse pas manger pour vous lâcher. Oui, on profite que t'es au régime pour pas bouffer nous aussi. Parce que sinon, tu bouffes tout sur ton chemin. Ça grosse bébé. T'as cholestérol à ton âge, va voir si t'as pas aussi le diabète. Mais non les gars, t'es là, t'essaies de faire des efforts, de pas craquer et tout. Eux ils viennent, ils se tapent des pizzas et des frites devant moi. Aucun respect. Ma mère même quand je fais 15 kilos de plus. Cholestérol, t'as rien mangé? Non, je sais, t'as rien mangé. Tiens, j'en veux pas. Si, mange, c'est bon pour la santé. Non, je te jure, j'en veux pas. Hein. T'as maigri, t'es devenu tout mec. J'ai maigri, n'importe quoi, j'ai pas maigri. Tiens, prends. Si, mange. Ok, d'accord. Voilà, Costa, je termine ton goûter, hein. Ah, si, faut que tu manges, tu prends des parts. Goûter, j'ai pas faim. Je viens de manger. Mais t'as déjà mangé, t'as pas déjà mangé, je sais, je t'ai vu. Mais j'en veux pas. Allez, ah, Oreo, le jus, tu peux tout finir. Attends, je ramène l'autre paquet. Non, ne ramène pas le paquet, je veux pas. Si, t'as faim. Quelle balle à manger là, j'ai pas faim. Voilà, après, je suis obligé de bouffer. Moi, j'arrive pas à résister, cousin. Eh oh, réveille-toi. Que j'ai ramené pizza d'hier, il a pas fini, elle était dans le frigo. Pourquoi tu me ramènes de la pizza? J'ai chauffé, je t'ai ramené. Mais j'ai pas faim, qu'est-ce que tu fais là? Tu me réveilles pour que je bouffe. Et pourquoi tu cries? Je te déteste. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Mais c'est n'importe quoi là. Je te laisse quand même la pizza ici, comme ça tu la manges. Ah, mais sors. Si tu le manges, rien à foutre. J'arrive même plus à dormir à cause d'elle, me réveille pour ça. T'as toujours pas compris pourquoi elle voulait t'engraisser, toi? Pourquoi elle voulait m'engraisser? Qu'est-ce que tu racontes? Pour que tu deviennes gros comme un mouton de light, t'imagines? Ah, non, mais pour elle, même si j'ai doublé, non, t'es très bien, t'as une belle taille, ah, ça te va super bien. Non, je te jure, ça te remplit et tout. Tu veux que je finisse comment en fait? Tu m'expliques? Les meufs qui font attention à ce qu'elles mangent quelques jours avant de rencontrer un mec pour la première fois, je vous connais. Il va venir, faut que je sois parfaite, faut que je sois bien, faut que je paraisse mince. Vraiment, là, c'est très important. J'ai toujours ces grosses hanches ici, ça me stresse. Putain, j'ai pas de cul en plus, c'est tout plat. J'espère qu'il va quand même kiffer. Quelle frappe. Allez, à tout de suite, mon ange. Oh, j'arrive. Oh. Oui, c'est moi, je suis là. Salut. Ça va? C'est Cassandra, c'est oui, ça? Oui, c'est Cassandra. D'accord. Est-ce que tu pourrais te mettre un peu plus que je te... Hein? Comme ça? Ah, pardon. Quoi? Tu ressembles vraiment à ça? Oui, je ressemble à ça, regarde. Tu trouves que je lui ressemble pas? Bah, c'est pourtant moi. Qu'est-ce que t'as? T'as pas honte. Mais pourquoi? T'es horrible. T'as pas honte de prendre la photo des gens? Mais c'est moi. Ça, c'est une beauté. Ça, c'est une beauté. Mais c'est moi. Ça n'a rien à voir. Va t'épiler. Mais c'est moi. Dégage! Je suis escroquée, là. Ça fait 3 jours que je mange pas, 3 jours que je me prive pour paraître pas, c'est comme ça que je suis massier. Fuck les maigres et fuck le régime! Avec ton corps en tour Eiffel, il faut commencer le régime 6 mois avant. Là, tu vas aller nulle part. Alors, les potes comme ça, pour moi, c'est le pire. Quel gros top, c'est archi bon. Non, frère, moi après 16h, je mange pas. Tu veux grave le mec? Je grossis sinon. Tu vas pas grossir. À la limite, tu vas payer de la gueule, mais tu vas pas grossir. On parie combien? Je vais chercher la balance. On se pèse avant et après? Vas-y. Ok, j'arrive. Quelle chouchotte. Moi, dès que je mange, je grossis. Faut que je fasse attention. À partir du Saint-Adrien, j'arrête. Laisse-moi tenter. Ok, 75, hein. 75. Ok. Là, tu vas kiffer. Hein. Ah, t'aimes bien, hein. C'est bon, hein. Toi, tu manges, tu grossis pas. Moi, je grossis, frère. Non, c'est pas vrai. Si, je te jure, c'est vrai. Doucement. Doucement. Ouais, doucement. Ouais, vas-y, doucement. Stop. Regarde, je vais me peser, tu vas voir. Tu me crois pas? Tu vas voir. 80. Ah, j'ai grossi, j'ai pris 5 chiffres, j'ai grossi. J'en ai marre.
J'ai perdu 2 kilos. Casse-toi. T'as perdu 2 kilos, dégage. J'ai rien. Dégage. Il m'engraine pour que je grossis et lui il perd du poids en attendant. Espèce de bouffon. Alors ça c'est les commentaires insupportables. Que ce soit pour une fille ou un mec, ça saoule. Ça fait bien. Wow, mais t'as grossi gros. Arrête de dire des trucs comme ça, j'ai pas grossi. Bah si, regarde, t'as des hanches, t'as des... Tends-toi. Ah c'est bon, vas-y. Oh my god. Ouais, non mais arrête de me regarder, pourquoi tu me regardes? T'es grosseuse gros. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon dieu. Bois de l'eau. Ce que tu vas faire, c'est que je vais passer son numéro et attends, deux secondes. Tu fais quoi là? Pourquoi tu fais quoi là? Attends deux secondes, je règle un truc avec un mec en surpoids. C'est à quoi là? Ben c'est à moi, je prends la bouteille. Non, y'a pas de c'est à toi, tu vas prendre de l'eau. T'es en surpoids. Tu l'as pas entendu. Mais je crois que t'es mon père toi. T'es en surpoids. Oh il fout ça lui. Dégage. C'est dans le jaune. Surpoids. Oui, tu comptes sur comme ça? Bah ouais, pourquoi y'a quoi? C'est trop serré là. Mais de quoi je me mets? Comment ça c'est trop serré? C'est du 42, c'est ma taille. 42, faut prendre 46 ans, voire 50 ans. Eh, toi t'es qui déjà pour me donner des tailles à mettre ou je sais pas quoi? Je te conseille parce que t'es trop gros. T'as grosse tête, t'as trop grosse tête pour les casquettes, frère. T'as un trop gros corps pour les jeans, mec. Pardon, tu vas sortir comme ça? Je suis choqué. Je te boxais. C'est quoi ce jean du sexy là? Même les hommes, les femmes, tout le monde va draguer. Même les animaux, va draguer. Moi je te drague. Tout quoi? Il a ma taille, maman. Va changer, va te changer, va. Parle à ton fils. Ah, c'est catastrophique. C'est quoi ce jean? T'es devenu une batata. Elle commence à chier par la bouche, elle aussi. Elle commence à dire de la tête. Va changer, ma petite vachette. Va te changer. Vas-y, je vais me vénérer, ce pétard. Vas-y, c'est bon, vous m'avez saoulé. C'est quoi cet harcèlement psychologique? Même si je veux devenir obèse, de quoi je me mêle? Je veux devenir obèse. Vous allez faire quoi? Ah non, moi les trucs comme ça. Ça me rend ouf. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, la mif. J'espère qu'elle vous a plu. Tous ceux qui regardent mes vidéos, force à vous, on est ensemble. Moi, je pars du principe que si t'es bien dans tes baskets, que ton corps te va bien et que t'es à l'aise avec ton corps. Eh hey, les commentaires et les gens là, tu t'en tapes. Moi je te le dis hein. Moi je pèse 78 kilos. Vous trouvez que c'est bien ou pas? Attention, 78 kilos mais je fais 1m83-84. Ça va. Dites-moi vous pèsez combien pour 1m combien? N'oubliez pas si vous avez kiffé la vidéo de me le dire en commentaire, de mettre un like, de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Hein. Je compte sur vous. Merci à la mif. Ciao.